Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Il y a la mission de juger les comptes des comptables. Il y a la mission, bien sûr, de contrôler la gestion en termes d'efficacité, d'efficience. Il y a la mission de certifier les comptes de l'État et de la sécurité sociale. Et il y a la mission également d'évaluer les politiques publiques. J'en ajouterai une qui est tout aussi importante, c'est celle d'informer les citoyens à travers nos rapports publics. Son rôle continuera, je crois, d'être essentiel, à la fois à travers le contrôle, la transparence, l'ensemble de ces missions que je viens de rappeler, alors à la Cour des comptes, à l'ensemble des juridictions financières, de se montrer à la hauteur des défis, des attentes, à la fois des décideurs, mais également des citoyens, c'est-à-dire que la révolution numérique a aussi des conséquences pour nous. Il faut que nous sachions évoluer avec le temps sans perdre ce qui fait nos spécificités et le crédit de la Cour, à savoir son positionnement institutionnel, ses procédures, son indépendance vis-à-vis de l'ensemble des pouvoirs publics. Quand on est au service de l'État, il faut être effectivement attaché à un certain nombre de valeurs, bien sûr la loyauté, mais aussi sur le plan des finances publiques, l'efficacité, l'efficience de l'action publique, l'esprit de responsabilité aussi. Je crois que c'est important. Ce sont des messages que nous nous efforçons de passer, sachant qu'il est important de rendre des comptes. Et c'est la mission de la Cour et des juridictions financières d'en informer à la fois les décideurs et les citoyens.